Nous revoilà pour la séance cuisation de la sauce, de l'assaisonnement. Alors, il me faut, pour moi, dans la quantité de riz, 4 cuillères de mirin. De vinaigre de riz, pardon. 1, 2, 3 et 4. Après, une cuillère à soupe de mirin, c'est ça. Ça dégage une forte odeur, hein, le tout. Hein. C'est très très fort, surtout le vinaigre qui ressemble à... Enfin, même si vous ne voyez rien, peut-être que comme ça vous verrez la bouteille. Alors, ça, après, il nous faut 2 cuillères à soupe de sucre. C'est une cuillère à café, ça non? Alors, 1, 2, et c'est là de l'autre côté. C'est tellement compliqué avec les barres de vinaigre. Voilà. Et une cuillère à soupe de sel. Voilà. Allez, regarde ce petit. Donc, en fait, il faut mélanger jusqu'à ce que le sucre disparaisse. Et là, il n'est pas encore disparu. Voilà, mon sucre a disparu, mais je ne vais rien voir. Du concombre, c'est si fou là, celui-là. C'est bien. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Maintenant je le laisse refroidir. Et vous, je vous dis bah, quand le riz est cuit.